Rebonsoir, frères et sœurs, et de nouveau, nous sommes en direct sur TV Radio de Vie. Que le Seigneur soit béni. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler. Donc, voilà, ce soir, on va partager un peu la vision missionnaire que le Seigneur nous met de plus en plus à cœur. Et la nouvelle vision qu'il nous met à cœur par rapport à son œuvre. Et au nom de Yeshua. Et merci Seigneur pour ta parole, merci pour l'évangile qui libère ton peuple au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes dans Luc chapitre 8, Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume, annonçant l'évangile, plutôt je dirais, du royaume. Et ça, ça va être dans la Bible qui va être révisée là, on va mettre l'évangile du royaume, voilà. C'est ce qui est vraiment, qui correspond, n'est-ce pas, à la pensée de Luc quand il a écrit cette lettre. Donc, Jésus allait de ville en ville et de village en village, pour annoncer l'évangile du royaume, n'est-ce pas? On nous dit que les douze étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti cet démon, Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Waouh! Nous avons ici, n'est-ce pas, la présentation de Yeshua, notre maître, comme étant l'évangéliste par excellence. Ah, ça c'est magnifique. L'évangéliste par excellence. Frère, il y a évangéliste et évangéliste. Aujourd'hui, nous avons des évangélistes internationaux, tout ça, mais nous voulons vous présenter l'évangéliste par excellence. Il n'y en a qu'un. Les apôtres, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un seul apôtre. Nous autres, là, hommes, là, mes amis, nous sommes que des copies. Et très souvent, ces copies veulent remplacer, malheureusement, l'original. Et c'est là le problème. Il faut que Yeshua, notre maître, soit à sa place. Et ici, on n'a pas dit que Jésus-Christ faisait des affiches avec sa photo, comme beaucoup de nos évangélistes modernes qui sont devenus des véritables stars. Avec leur photographie, leur costume et cravate, tout ça là. Il n'y a même pas, mes amis, des véritables conversions. Et souvent, aussi, ces évangélistes vont s'associer avec des pasteurs impies, voleurs, pour récupérer les âmes après leur campagne d'évangélisation. Donc ça, ce n'est pas de l'évangélisation. Ça, c'est du recrutement pour l'enrôlement des âmes à peine échappées au monde, pour les enrôler dans les boutiques, les entreprises privées. Voilà pourquoi je ne veux plus personnellement aller faire des campagnes d'évangélisation dans les églises ici pour remplir les bâtiments, frères et sœurs. Non, nous avons été loin pour amener les gens, non dans les bâtiments d'église, non dans les maisons d'église, mais pour les amener à Dieu, dans son royaume. C'est ça la parole de Dieu, frères et sœurs. Ici, on n'a pas dit que Jésus-Christ allait évangéliser de ville en ville pour amener les gens dans les églises, dans les bâtiments. Et on nous dit qu'il leur prêchait l'évangile du royaume. Aujourd'hui, l'évangile du royaume a disparu. C'est l'évangile du ventre qui est prêché. Venez à Jésus, vous aurez le mariage. Venez à Jésus, vous aurez l'argent. Payez la dîme, vous serez bénis. C'est de l'arnaque, ça vous savez ça, n'est-ce pas? C'est de l'arnaque. Oh, montagne de feu, vous allez faire le feu jusqu'à quand vous allez allumer le feu? Le feu est en vous, vous allez encore sur quelle montagne? Vous êtes déjà sur la montagne de Sion, selon Hébreux 12, n'est-ce pas? Vous êtes déjà établi sur la montagne de Sion au ciel, mais vous allez encore sur quelle montagne? Frère, quittez ces montagnes charnelles, humaines. Au nom de Yeshua. Nous voulons revenir à la parole. Frère, cet évangile bouillonne de plus en plus dans mon cœur. Voilà pourquoi je prie, frères et sœurs, que Dieu nous permette de ce que cette Bible sorte afin que nous allions maintenant de ville en ville. Ça bouillonne dans mon cœur. Je sens que ici à Paris, là, il y a quelque chose. Donc, on est en train de passer à autre chose. Il faut aller dans les grandes villes. Il faut aller dans les petites villes, dans les villages, frères et sœurs. Dans les recoins de la France, là-bas, là, dans le petit village, là-bas, où il y a des sorciers, des sourciers aussi qui cherchent l'eau. N'est-ce pas, avec leur bâton, aller là-bas pour, frères et sœurs, annoncer l'évangile du royaume au nom de Yeshua. Aller sur les marchés. Oh, frères et sœurs, je sens que ça va bouger. Là. Je sens que
Frères et sœurs, ça va être quelque chose. Vous ne pouvez pas enfermer Jésus dans un bâtiment, dans une cathédrale. Aujourd'hui, ce sont des cathédrales, mes amis, qui sont construites à la gloire des hommes, dans lesquelles on enferme Jésus, soi-disant. En fait, c'est un Jésus, mes amis, catholique. Ça, il n'y a pas de problème. Et effectivement, ici, on voit que c'est le Jésus qui est proclamé, n'est-ce pas, dans cette cathédrale. C'est le Jésus, mes amis, complètement religieux, qui ne peut pas sauver les gens. Mais le Jésus dont il est question ici, on nous dit, il allait de ville en ville. La France compte combien de villes? Il y en a plusieurs. Et comment peut-on expliquer qu'un prophète, qu'un apôtre reste seulement figé sur une ville? Reste figé dans une ville et il dit, ici c'est ma ville, personne ne doit venir ici. On va venir dans toutes ces villes-là. Parce que la France appartient à Dieu. La France n'est pas un pays qui appartient à un pasteur ou à un apôtre. La ville de Paris n'appartient pas à un apôtre. Il n'y a aucune ville de cette nation qui appartient à un pasteur. Oh, c'est mon territoire, tout ça. Là. Frères et sœurs, arrêtons cette vision-là complètement sectaire, mes amis, de ville en ville. Et le Seigneur, quand il allait dans ces villes-là, il n'y avait pas de synagogue. Il y avait des synagogues. Il y avait des synagogues. Et quand il arrivait, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait même dans ces synagogues. On le chassait, mais il y allait quand même. Et même dans les villages. Et la Bible nous dit que les 12 apôtres étaient avec lui. Aujourd'hui, beaucoup d'apôtres africains veulent seulement venir en France. Ils ne veulent pas aller dans les villages en Afrique. Jamais ils ne partent dans les villages en Afrique. Les évangélistes, c'est qu'ils veulent seulement les grandes villes. New York, Australie. Et ils vont faire l'apologie de leur ministère pour dire, voilà, j'ai voyagé dans le monde entier, regardez mon passeport avec le visa. Ce sont des touristes, ce ne sont pas des missionnaires. Et là, on voit le Seigneur, mes amis, on nous dit qu'il était avec les 12, mais pas seulement avec les 12, avec quelques femmes qui l'assistaient de leur bien, n'est-ce pas? Qui l'assistaient de leur bien. Donc, on cite leur nom. Il y avait, mes amis, parmi elles, Marie de Magdala, une femme qui était possédée par ces démons. Aucun apôtre, aucun prophète n'a pu la délivrer. Aucun chef de synagogue n'a pu la libérer. Mais elle a rencontré le Seigneur et Yeshua l'a libérée. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va maintenant, n'est-ce pas, soutenir le ministère du Seigneur matériellement et financièrement. Frères et sœurs, et la parole nous dit, mes amis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le Seigneur a annoncé l'évangile. Et au verset 4, on nous dit, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui. Et il dit cette parabole. Donc le Seigneur, mes amis, il allait de ville en ville, de village en village, et beaucoup de gens étaient touchés. Beaucoup de gens étaient guéris. Beaucoup de gens étaient sauvés. Et à chaque fois, il quittait une ville pour aller vers une autre. Et les gens même, mes amis, couraient vers lui avec des malades à chaque fois. N'est-ce pas? Regardez Marc chapitre 2. Verset 1er, quelqu'un pour le lire? Marc 2, 1 à 2. Oui, c'est bon, on peut y aller. On a quelqu'un en ligne? Non, personne en ligne. Marc 2, à partir du verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum et on entendit dire qu'il était dans la maison. Et aussitôt, tant de gens s'y assemblaient que même l'espace qui était devant la porte ne pouvait les contenir. Voilà, on s'arrête là. On apprend que le Seigneur était à la maison. Oui, il allait de maison en maison aussi. De ville en ville, de village en village, de maison en maison. Tout ça pour annoncer l'évangile. Pour annoncer l'évangile du royaume. Et quel royaume? Quel royaume? Il est dit dans Matthieu 12. Le Seigneur dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Le ministère de Jésus, mes amis, consistait aussi dans tout ce qui était guérison, délivrance, conversion des âmes, baptême, tout ça. C'est ça le ministère de Yeshua. Donc, si dans un ministère, mes amis, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de baptême, c'est que Dieu n'est pas dedans. C'est un ministère ou une église stérile. D'accord?
ou s'il y a un baptême tous les 10 ans ou tous les ans, il y a un problème. Hein? Il y a un problème. Et la parole nous apprend que les gens ont appris qu'il était à la maison. On n'a pas dit que le Seigneur a fait la pub. L'œuvre du Seigneur était telle que les gens étaient sauvés, guéris, délivrés, et les échos partaient comme ça. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il faut faire du marketing, il faut faire du management, il faut faire, mes amis, un matraquage publicitaire pour que les gens viennent. Venez, amenez les malades, ils seront guéris, venez. Ce n'est pas ça, Jésus. Ça, c'est l'esprit d'Antéchrist. L'esprit de Jésus, quand il se manifeste quelque part, c'est de bouche à oreille. Les gens parlent à gauche, à droite. Les gens témoignent à gauche et des gens viennent eux-mêmes sans qu'on les appelle. N'est-ce pas? Et c'est ça l'évangile, mon frère. Alléluia. C'est beau, hein? C'est ça l'évangile. Mais regardez aujourd'hui, ce sont des affiches, des posters de pasteurs, des panneaux publicitaires. Venez, vous serez guéris, vous serez délivrés. C'est pas ça, Jésus. Si vous voyez ces affiches-là, c'est l'esprit d'Antéchrist. Le Saint-Esprit est celui qui fait, mes amis, qui parle de Jésus. C'est pas les hommes, d'abord. Il parlera de moi. C'est ça le Saint-Esprit. Frère, les gens amènent les malades, les gens veulent de partout. Regardez, toujours nous sommes dans, mes amis, chapitre 2 de Marc, verset 15. Alors Jésus retourna du côté de la mer et tout le peuple venait à lui. Et il les enseignait. Ah! On voit que là, il se déplaçait, il sort de la maison, il va du côté de la mer, toute la foule venait à lui et il les enseignait. Vous voyez, à chaque fois, de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville. Regardez le verset 15. Jésus étant à table dans la maison de cet homme, plusieurs piégés et gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec Jésus et ses disciples, car il y en avait beaucoup qui l'avaient suivi. Ah! Il va dans une maison, n'est-ce pas? Dans la maison de Matthieu. Matthieu invite le Seigneur à manger. Mais ceux qui n'avaient pas compris, c'est qu'en invitant le Seigneur, c'était aussi des estropiés, des aveugles, des handicapés, des boiteux, des sidéiens, des cancéreux qui étaient invités. La maison était remplie de pécheurs, de péagers, de publicains. Matthieu avait lancé une seule invitation, mais quand on invite Jésus quelque part, les malades automatiquement sont invités. Jesus Christ. La maison de Matthieu était devenue un hôpital. Donc, si tu invites Jésus dans ton cœur, dans ta maison, dans ton ministère, dans ton assemblée, automatiquement les malades viendront et seront guéris. Je n'ai pas vu Jésus-Christ dans une maison sans malades, sans, mes amis, qu'il y ait des problèmes, mais des gens avec des problèmes. Parce que c'est ça Jésus, c'est ça le réveil, frères et sœurs. Oh, que Dieu nous réveille. Que Dieu nous fasse comprendre la parole autrement, frères et sœurs. Allez à Saint-Pierre, à la basilique Saint-Pierre à Rome. Y a pas, vous allez voir que, frère, il n'y a pas Jésus. Donc, comme il n'y a pas Jésus, mes amis, eh ben, les malades ne sont pas là-dedans. Tu vois? Matthieu fait un repas, juste pour une personne, pour le Seigneur. Ça s'est transformé en banquet, en festin. Et il y a eu même des religieux, les scribes et les pharisiens, qui s'étaient incrustés. Malgré eux, les détracteurs, ils sont toujours connectés. Ils n'ont pas le choix. Malgré eux, il faut qu'ils voient, ils cherchent les erreurs. Parce qu'ils sont, il y a quelque chose qui les pousse à se connecter. Pour qu'ils entendent quand même la parole de manière à ce qu'à la fin, ils ne disent pas, nous n'avions pas entendu. C'est ça qui est magnifique. Le Seigneur, mes amis, fait ses œuvres là-bas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on apprend? Chapitre 3, verset 1er. On va se dépêcher à chaque fois. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Ah! Là, il sort de la maison de Matthieu. Cette fois-ci, vous voyez, il était dans la maison, une autre maison. Ensuite, il guérit un handicapé dans cette maison-là. Dans Marc chapitre 2, on va prendre quelqu'un en ligne tout à l'heure. Dans Marc 2, il rentre dans une maison. La Bible nous dit que les gens ont appris qu'il était à la maison. Il va y avoir une foule telle que même l'espace devant l'entrée était devenu trop étroit. Et quatre personnes amènent leur frère ou copain, cousin malade. Mais il n'y avait pas moyen d'entrer.
ils vont abîmer le toit de Lot, de Jésus. Ils vont abîmer le toit pour descendre le malade, l'handicapé, le paralytique. Mais est-ce que Jésus les a corrigés? Non. Il a loué leur foi. Ah, mes amis. Oh, que Dieu soit béni. Il sort de là, il va chez Matthieu. Il va à la mer d'abord. Les foules sont guéries. Enseigné. Il va manger chez Matthieu. Les péagers, les publicains, les gens de mauvaise avis vont se mettre à table avec le Seigneur. Frère, si Jésus-Christ est revenu dans notre génération, il irait manger avec des clochards. Il ne serait pas dans les palais de rois. Il ne serait pas en costume et cravate. Il ne ferait pas des affiches avec photos, avec la pub, tout ça. Non. Il sort de là. Il va, mes amis, nous dit la parole ici. Il va entrer dans une synagogue. Et on apprend quoi? Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche dans une synagogue. Quelqu'un qui avait, n'est-ce pas, une paralysie. Mais il allait dans une synagogue. Comme beaucoup de chrétiens sont paralysés aujourd'hui. Mais ils vont toujours dans leurs assemblées. Il n'y a pas la vie. Dans beaucoup. Et le Seigneur dit, lève-toi. Là au milieu, il a mis au milieu. Parce qu'il y avait les pharisiens toujours. Les pharisiens étaient toujours connectés. Comme sur TV de vie, ils sont toujours connectés. Sur YouTube, Dailymotion. Toujours. Malgré eux. Et la parole nous dit, le Seigneur pose la question, est-il permis de sauver une personne le jour du sabbat ou pas? Et il a sauvé cette personne-là. Mes amis. Verset 13. Il monte sur la montagne et il va établir 12 apôtres. Non, il allait partout, le Seigneur. Il allait partout. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, je suis en direct. Tout à fait. Oui, moi, c'est le frère Michel, je vous appelle depuis Liverpool. Comme je vous avais dit la fois passée, nous sommes un groupe de jeunes qui vous ont découvert il y a pas si longtemps. Et en tout cas, chaque jour que nous écoutons vos émissions, surtout le samedi, en tout cas, c'est des écailles qui tombent de nos yeux chaque jour. Amen. L'émission que nous avons suivie le samedi passé, en tout cas, nous avons été bénis tous. En tout cas, c'est comme si nous avons recommencé notre vie spirituelle à zéro, quoi. Amen. Mais là, nous avons un petit souci. Quand vous avez fait appel aux gens qui voulaient se faire baptiser le samedi passé, il y a une fille qui s'est présentée, une fille de 5 ans. Alors, elle cherchait aussi à se faire baptiser. Alors, bon, la question que nous sommes posées entre nous, est-ce que c'est aussi possible de baptiser une fille de 5 ans ou vous l'avez baptisée ou c'est avec le consentement de ses parents ou quoi? Ça, c'est la première question, mon frère. La deuxième question, c'est une question de ma soeur avec qui nous avons regardé l'émission. Elle m'a demandé si elle peut renoncer à son baptême parce qu'elle a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, elle voulait savoir si elle doit être baptisée au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils ou du Saint-Esprit. Elle doit renoncer catégoriquement à ce baptême. Okay. Faire l'autre. La petite fille de 5 ans, nous ne l'avons pas baptisée parce qu'on attend qu'elle comprenne davantage ce que c'est la vie chrétienne. Donc, samedi prochain, je vais la recevoir moi-même pour pouvoir parler un peu avec elle aussi. Donc, je l'ai vue à la fin. Et donc, on ne l'a pas baptisée. Ensuite, est-ce que ton épouse peut-elle renoncer à son baptême? Si elle a été baptisée par un faux pasteur, oui. Mais si c'est un pasteur ou un frère qui craint Dieu, une sœur qui craint Dieu, et même si c'est au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, on sait que Père, Fils et Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ce nom-là, en fait, le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le nom de Yeshua. Donc là, n'est pas le problème. Ah, merci beaucoup. En tout cas, mon frère, vous, avec l'équipe qui travaille avec vous, en tout cas, soyez bénis vraiment, en tout cas. Nous ne savons pas vraiment quoi vous dire parce que nous sommes vraiment bénis à partir de vos émissions, à partir de vos vidéos. En tout cas, c'est comme si nous recommençons de manger à zéro dans notre vie spirituelle, quoi. Amen. Que Dieu soit béni. Bonne continuation. Merci beaucoup, mon frère. Gloire à Dieu. Merci. Voilà. Donc, on voit le Seigneur, mes amis, qui allait de ville en ville, hein, de village en village, et tellement qu'il bougeait, et regardait la réaction de ses parents, au verset 31, chapitre 3, 31-35. Donc, on va aller assez rapidement, si quelqu'un l'a trouvé, pour gagner du temps. Sur Jésus, je commence au verset 30.
Jésus parla ainsi parce qu'il disait il est possédé d'un esprit impur. Suivant sa mère et ses frères qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Voilà, donc, et ses propres parents, n'est-ce pas? Et verset 21, mon frère, verset 21. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. C'est-à-dire, il est fou. D'accord? Donc, celui qui a l'esprit de Jésus-Christ, celui ou celle qui a l'esprit de Yeshua, écoutez bien, est automatiquement traité de fou. D'accord? Donc, si tu n'as jamais été traité de fou, ça veut dire que tu n'es pas converti. Parce que quand l'église est née, les hommes qui étaient là à Jérusalem ont dit que ces 120 Galiléens étaient ivres, c'est-à-dire fous. D'accord? Parce que l'amour pour Dieu, c'est la folie. C'est la passion que nous avons pour lui. Et cette passion nous pousse à aller à l'encontre, contre la religion. Voyez? Un fou, vous ne pouvez pas l'interner. Si vous l'internez, il se sauve. Il casse tout. C'est pour ça que souvent on va l'enchaîner. Voilà pourquoi l'église de Yeshua est composée de fous et de folles qui ne peuvent pas être enfermés dans des cathédrales. C'est pour cela les vrais enfants de Dieu à qui des pasteurs disent « Restez dans le bâtiment d'église, restez chez nous. » À un moment donné, ils finissent par partir. Parce qu'ils sont fous de Dieu. C'est pour cela que Paul dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Donc celui qui porte sa croix tous les jours doit comprendre que chaque jour, il doit être traité de fou. Et là, on nous dit que les parents de Jésus-Christ disaient qu'il était hors de sens. Et ils sont venus pour se saisir de lui. Et sa mère biologique, et son père adoptif, et ses frères et sœurs, ils se sont concertés en famille, et ils se sont dit, notre frère, notre enfant délire. Parce qu'il va de maison en maison, il mange avec des péagers, il mange avec des publicains, des voleurs, des prostituées. Il va de ville en ville, il traîne avec des femmes qui étaient possédées hier, tout ça, des femmes qui ne sont pas mariées, des femmes bizarres, attention, mais qui craignent Dieu. Et il est toujours entouré des 12 messieurs qui ont abandonné leur travail. Matthieu était un péager, il a quitté son emploi. Pierre était un pêcheur comme Jacques et Jean, ont tout abandonné, ils ont laissé même leur père. Donc tout le monde le prenait pour des fous. Voilà le vrai Jésus, celui de la Bible. Ce n'est pas le Jésus qu'on vous a présenté avec costume et cravate. Ce n'est pas le Jésus catholique, mes amis, avec des yeux bleus, avec des longs cheveux à la suédoise, mes amis. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le Jésus bishop, grand apôtre des nations, mes amis, qui roule en Mercedes, en BM, en 4x4, qui est dans une villa avec piscine. Ce n'est pas de ce Jésus-là. Le Jésus dont je vous parle, c'est le Jésus qui était considéré comme un fou. Traité de fou par ses parents. Considéré comme étant possédé par Belzébul, par les religieux. Voilà le Jésus de la Bible. Est-ce que vous l'avez réellement rencontré? Vous qui dites dans vos églises, non, il ne faut pas trop crier, il faut la sagesse, parce que vous comprenez, il y a quand même les hommes, nous avons des hommes civilisés, nous avons des hommes d'affaires, nous avons des présidents, nous avons des ministres, nous avons des députés. Frère, on s'en moque. Celui qui est en Christ devient fou. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir, frère Chauva. Oui. Ben, je vous appelle, je voulais avoir de l'éclaircissement. Dieu déjà m'a éclairci concernant l'Exode 23, verset 26, où on parle de... La stérilité? Oui. Il n'y aura dans ton pays ni la femme qui avorte, ni la femme stérile. Mmh. Alors... J'ai écouté la prédication où je
part chercher le royaume de Dieu. Et puis on, là-bas, cette prédication, c'était une femme qui ne peut pas avorter. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir un travail et puis ce travail-là, ce n'est pas fixe, exemple, le travail à court terme. Et puis, selon l'Évangile, moi j'ai compris que les enfants de Dieu ne doivent pas toujours avoir une vie en abondance ou bien un travail fixe pour être stable. Les enfants de Dieu sont toujours persécutés et puis ce n'est pas la vie du Seigneur qu'on nous demande d'avoir un travail fixe. Là, il parlait plutôt comment toi, un enfant de Dieu, tu n'arrives pas à choper de travail fixe, tu n'arrives pas d'être stable, alors que tu crains l'Éternel. Mais d'après les enseignements que je suis aussi dans le télé des vies, j'ai compris qu'un enfant de Dieu, il ne doit pas s'attendre au travail fixe, il ne doit pas s'attendre à une vie stable, parce que Jésus, il n'avait pas une vie stable, il était toujours persécuté de ville en ville. Oui, en fait, la vie stable, oui, la stabilité, c'est-à-dire en Christ, oui, un enfant de Dieu, et, en fait, ce n'est pas parce qu'un chrétien travaille en contrat déterminé, en CDD, qu'il n'est pas béni par le Seigneur, n'est-ce pas? S'il peut avoir un CDI, pourquoi pas, hein, pour avoir quand même une stabilité familiale, parce qu'après, on est sur terre, il faut vivre, tout ça. Ça, il n'y a pas de problème. Mais de là à vouloir devenir milliardaire, millionnaire, on finit par tomber dans beaucoup d'erreurs, dans beaucoup de pièges. D'accord ? Donc maintenant, ce passage d'Exode 23, 26, là-bas, où Dieu disait aux Hébreux qu'il n'y aurait pas dans le pays d'Israël des femmes qui avortent, ni des femmes stériles. Et ce passage-là, c'est effectivement accompli. Tant que les Hébreux craignaient Dieu, il n'y avait pas chez eux, effectivement, des femmes stériles. Il y avait des femmes comme Sarah, comme Rebecca, que le Seigneur a guéri, bien sûr, qui ont pu enfanter. Et quand ils désobéissaient au Seigneur, ben, les femmes juives, beaucoup étaient rendues stériles, frappées de stérilité par le Seigneur. Donc maintenant, on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, réclamer ou demander à ce que cette promesse faite d'abord à Israël soit accomplie. S'accomplissent dans la vie des chrétiens, de chrétiennes, parce qu'il y a des couples chrétiens qui craignent le Seigneur, mais qui sont pourtant stériles, non parce qu'ils sont maudits, mais parce que Dieu n'a pas permis qu'ils aient des enfants pour des raisons que lui seul connaît. Et on ne peut pas les taxer, les condamner en disant qu'ils sont maudits, comme c'est souvent le cas dans beaucoup de nos églises. Et ça, c'est vraiment un évangile qui condamne les frères. Voilà. Donc, et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, quand le Seigneur a créé Adam et Ève, il leur a demandé de remplir la terre. N'est-ce pas? Au jour d'aujourd'hui, la terre est tellement remplie. Hein, on est quand même 7 milliards d'individus. Hein, donc, on ne peut pas vraiment dire qu'un couple, quand il se marie, il doit impérativement avoir des enfants. Donc, comme c'était le cas à l'époque d'Adam et Ève. Donc, les enfants sont une bénédiction, bien sûr. Mais ne condamnons pas nos frères et sœurs qui n'en ont pas. Hein, pourtant, alors qu'ils craignent le Seigneur. Voilà. Donc, la stabilité en Christ, oui. La stabilité par rapport à l'amour que l'on doit avoir pour nos enfants, pour nos femmes, pour les maris, les femmes envers leurs maris, il faut cette stabilité par rapport à l'amour, par rapport à la responsabilité que les chrétiens doivent avoir, le fait de prendre soin de sa famille aussi financièrement, spirituellement d'abord, financièrement, matériellement, ça, il faut cette stabilité-là, parce que sinon on va donner un mauvais témoignage. Mais qu'un chrétien qui travaille en CDD ici et là, qui arrive à prendre soin de sa vie, de sa famille, voilà, on peut pas le condamner. Ouais. Et puis ma deuxième question, c'était, frère Choura, est-ce qu'être chantre dans un groupe de chorale à l'église, c'est un ministère? Non. Tous les chrétiens sont sacrificateurs. Donc nous sommes tous appelés des chantres. Donc il n'y a pas une équipe d'élite. Hein, hein, donc une caste là, à l'indienne, là, comme les castes en Inde. Et voilà, donc ils se prennent pour des grandes stars. Hein, donc à l'américaine, tout ça là, ça a causé beaucoup de mal, beaucoup de dégâts dans nos églises. Vous savez, les chants tels que Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère, on ne sait même pas qui sont ceux qui les ont, n'est-ce pas, reçus du Seigneur. Et c'est des chants que tout le monde chante pratiquement, et on ne connaît pas forcément les auteurs qui les ont, n'est-ce pas, écrits. Et c'est vraiment des chants à la gloire du Seigneur, contrairement à la plupart de nos chants d'aujourd'hui,
où on sait toujours qui sont ceux qui les ont reçus. Et voilà, donc je crois qu'il faut qu'on revienne à la parole. Chaque chrétien est appelé à adorer le Seigneur. Et il n'y a pas une équipe ou une chorale absolument qu'il faut mettre en place dans nos églises pour pouvoir chanter. Donc tout ça, là, c'est complètement charnel, c'est babylonien, c'est catholique. Et voilà. Donc, sous la loi, il y avait une chorale, sous Moïse. Mais aujourd'hui, nous sommes tous sacrificateurs. Voilà. Merci beaucoup, Frère Chouva. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Donc, le Seigneur allait de lieu en lieu, de ville en ville, frères et sœurs, comme on le voit aujourd'hui, pour apporter l'évangile. Mes amis, et, il allait partout. Et il est temps aussi, frères et sœurs, que les choses bougent, que nous puissions nous lever dans la prière si Dieu nous prête vie pour que l'évangile soit proclamé partout. Partout encore, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, gloire à Dieu, frères et sœurs. Dieu, vous voyez, ici, ce soir, nous voulons vous présenter, n'est-ce pas, l'évangéliste par excellence, Yeshua. Et on le voit, hein, il était considéré, traité de fou, aussi bien par ses propres parents, ses frères et sœurs, sa propre famille, que par sa patrie. Également par les religieux de l'époque, les scribes, les pharisiens, les chefs, qui le considéraient comme fou. Alors, pouvez-vous avoir un tel Dieu avec vous, en vous, et être considéré comme un homme sensé selon le monde, par les hommes? Non. Ben non. Ben non. Alors, nous comprenons que dans la majorité de nos églises, c'est un autre Jésus qui est adoré. C'est le bar Jésus. Vous voyez? Bar Jésus s'est présenté comme le... Bar Jésus veut dire fils de Jésus-Christ. Enfin, fils de Jésus. C'est ça le mot. Bar, c'est fils. N'est-ce pas? En grec. En grec. Donc ce faux prophète s'est présenté comme le fils de Jésus. Et c'est le cas de beaucoup de nos pasteurs. Et ce bar Jésus était à côté d'un député romain. Et il manipulait ce député qui pourtant cherchait Dieu. Mais il était en train de l'ensorceler, comme c'est le cas aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs sont à côté des présidents. On a vu en Côte d'Ivoire avec les pasteurs à côté de Gbagbo. Ils l'ont tellement ensorcelé qu'aujourd'hui le président Gbagbo se retrouve à la CPI, à la Cour internationale, à la pénale internationale, à la Haye, en Hollande. Ils l'ont tellement ensorcelé, hein? Ils ont tellement ensorcelé Blé Goudé, son bras droit, qu'aujourd'hui lui aussi, il vient d'être arrêté. Voyez? Et ils sont en train de vous ensorceler aujourd'hui avec leurs enseignements erronés, ces enseignements qui vous poussent à vous attacher à eux, à leur bâtiment d'église, à leur ministère, plutôt qu'à Dieu. C'est ça le problème. Voyez? Et ils sont considérés comme sages par les gens de ce monde. C'est pour cela qu'ils apprennent à parler. Ils sont toujours bien habillés, n'est-ce pas? Ils ont une gestuelle bien étudiée, bien apprise, bien assimilée. Mais où sont les fous? Hmm? Où sont les fous? Où sont les folles de Jésus? Hmm? Paul était considéré comme un insensé. Il était un grand érudit. Mais quand Jésus l'a touché, il est devenu fou. Un fou, vous l'attachez comme le fou de Gadara. Il était lié avec plusieurs chaînes. Mais la parole nous dit qu'il brisait les chaînes. Allons voir d'abord. Avant de répondre à la personne qui est en ligne, juste quelques secondes s'il vous plaît. Allons d'abord dans la parole. Là. Le Seigneur te donne des choses terribles ici. Marc chapitre 5, mon frère ancien. Nous allons vous parler de la folie. La vraie folie qui attrape les gens qui sont en Christ. S'il vous manque cette folie, convertissez-vous réellement. Repentez-vous, donnez votre vie à Jésus-Christ. Même si vous êtes pasteur, convertissez-vous. Marc, hein, mes amis, chapitre 5, hein, à partir du verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadariens. Uh-huh. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait de demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il y avait eux les fers aux pieds et avaient été liés de chaînes. Mais ils avaient rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Voilà un fou! Frère, venez régler la caméra ici parce que là, je suis fou.
Ma folie est de nouveau revenue encore là. Pensez, on a mal compris les choses. On a mal compris Jésus de Nazareth. On va vous parler de la folie de l'évangile. On nous présente un vrai fou ici. Et qu'est-ce qu'on apprend? Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ok. Et qu'est-ce qu'on apprend encore? On nous dit, personne ne pouvait plus le lier. Donc, un chrétien lié par un pasteur, il n'est pas fou. Celui qui est fou de Jésus ne peut plus être lié par un apôtre ou par un prophète ou par une dénomination. Tu comprends? Donc, si toi, tu ne peux pas te passer de ton église, de ta dénomination, alors que Dieu n'est pas dedans, c'est que tu n'es pas fou de Jésus. Hein? Personne ne pouvait le lier. Même avec une chaîne. Frère, la première chose qui se passe quand quelqu'un devient fou de Jésus, les chaînes sont brisées. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. Quand un enfant vient au monde, qu'est-ce qui se passe? On coupe le cordon ombilical. L'enfant n'est plus lié à la mère. Parce qu'il est fou. C'est pour ça qu'il crie. Autre chose, mes amis, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Ça, j'aime ça. Personne n'avait la force. Ici, le mot force peut signifier aussi puissance. Personne n'a la puissance, l'autorité sur le fou de Jésus. Personne ne peut nous dompter. Hier, on était dompté par les catholiques, par le pape. On était dompté par le protestantisme. On était dompté par les protestants, par les catholiques, par les évangéliques. On était dompté par les présidents de fédération. Mais une fois que la folie de Jésus nous a touchés, les chaînes ont éclaté. Frère, on est devenu fou. Incontrôlable, insaisissable, indéfinissable. C'est ça la puissance du réveil. C'est ça la puissance de la résurrection, frères et sœurs. Et les fous se reconnaissent entre eux. Hein? Et on nous dit que cet homme avait sa demeure dans les cimetières. Pourquoi? Mais les fous de Jésus vont vers les morts pour les ressusciter. Jesus Christ. Hein? Ils ne sont pas dans les palais des rois parce qu'on les chasse de là. Hein? Frères et sœurs, ça c'est un, ici nous avons un fou selon les démons. Mais vous pouvez comprendre ce que c'est la folie. Les démons qui possédaient cet homme lui donnaient la force pour briser les chaînes. Mais quand quelqu'un est, mes amis, rempli de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Jésus, alors dites-moi quelles sont ces chaînes qui peuvent le lier encore? Jesus Christ. Hein? Un homme possédé par le diable, briser les chaînes. Mais un homme géré, rempli, dirigé, contrôlé par Dieu Tout-Puissant. Quelle est cette chaîne avec laquelle on peut le lier? Frère. Voilà pourquoi beaucoup disent, il y a même hier une sœur est venue me voir, elle me dit, je ne veux plus dans mon assemblée, parce que on dit là-bas, parce qu'ils ne veulent pas la vérité, et parce qu'ils disent aussi que tu n'es pas équilibré. Je lui pose la question, c'est toi qui n'es pas équilibré? Elle me dit, non, on a dit que toi, frère Chora, tu n'es pas équilibré. Parce que tu parles trop, il y a trop de vérité que tu annonces. Je leur ai dit, ben, je suis déséquilibré selon eux, parce que je suis fou. Voilà, la folie. Donc, une folle de Jésus ne peut être épousée que par un fou de Jésus. C'est pour cela que je vous dis que les fous se reconnaissent. Hein? Un fou de Jésus qui est d'origine congolaise, quand il rencontre une folle de Jésus d'origine française, même s'ils n'ont pas la même couleur de peau, mais comme ils sont fous de Jésus, donc il y a une connexion, n'est-ce pas, interdite. Oh mes amis là, oh alléluia, Jesus Christ, alléluia.
C'est pour cela que Paul dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Tous sont un en Jésus. Parce qu'ils sont attrapés par la folie. Frère, c'est pour cela que je vous dis, la folie hein, en Christ, la folie de Christ augmente encore dans mon cœur. Donc là, là, mes amis, les chaînes, là, ça va. À Paris, pendant 2 ans, j'étais comme enchaîné ici pour ne pas bouger. Hein? Bouger, aller dans les villes, de ville en ville. Dieu, c'est comme s'il nous enchaîne parfois comme ça, il nous maintient. Mes amis, comme avec Ézéchiel, hein, il a enchaîné Ézéchiel pour ne pas qu'il bouge. Mais quand il a délié sa langue, frères et sœurs, là je vous dis, je sens dans mon cœur, frères et sœurs, après la sortie de la Bible, frère, on va tourner dans toute l'Europe, on va tourner au nom de Yeshua, on va sonner le chauffard. Et gare au pasteur sensé, selon le monde. Gare au pasteur bishop qui ont pris en otage les chrétiens. Je vous dis au nom de Yeshua, oh, la guerre est déclarée, frères et sœurs. Les Goliaths vont tomber devant les David au nom de Yeshua. Frères et sœurs, ce matin en dormant, Dieu m'a donné un chapitre. Il m'a dit, il faut lire dans le songe, dans un songe, 1 Samuel 17 et 2 Samuel 17. Quand je me suis réveillé, j'ai été vérifié, mes amis, 1 chapitre 10, 1 Samuel 17 et 2 Samuel 17. Et dans 1 Samuel 17, il est question, mes amis, de la guerre entre David et Goliath. Et Dieu m'a dit, les Goliaths vont être décapités, frères et sœurs. Amen. Jesus Christ. Amen. Oh, mes amis. Et dans 2 Samuel 17, les rebelles seront confondus. Il va se passer des choses. Il se passe des choses, frères et sœurs. Je sens dans mon cœur le feu du réveil qui libère les enfants de Dieu, qui le rend fou de Jésus. La passion de Jésus de Nazareth. Ils vont aller d'église en église pour allumer le feu. Jesus Christ. Et tous ces bishops qui veulent vous enfermer dans leur bâtiment, qui ne veulent pas vous voir aller ailleurs, qui vous menacent si vous allez prier ailleurs, ils seront confondus chrétiens. Vos chaînes sont brisées. Vos liens au niveau des pieds sont brisés. Pourquoi ce fou avait des liens au niveau des pieds? Pour l'empêcher de marcher, de bouger. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont liés au niveau des pieds par leur pasteur. Eux-mêmes sont liés par leur dénomination. Ils ne bougent plus. Ils vont seulement voir leurs amis pasteurs, n'est-ce pas, parce que c'est la mafia. Ils s'appellent entre eux, ils se congratulent, ils s'invitent mutuellement. Chacun choisit ses amis pour, n'est-ce pas, caresser dans le sens du poil. Mais je vous dis, le message arrive, l'évangile arrive, l'évangile du royaume arrive. Les chrétiens seront détachés de vos traditions, détachés de vos prisons pour aller dans le royaume du Père et se préparer pour les noces. Frères et sœurs, au nom de Yeshua. C'est pour cela que quand les gens viennent me voir pour me dire, frère, recommande-nous une église, je leur dis, je n'ai aucune église à vous recommander. Vous êtes déjà dans l'église de Yeshua. Vous voulez que je vous recommande encore quelle église? Recommande-nous un pasteur. Je leur dis, mais vous n'avez rien compris. Mais vous avez le pasteur des pasteurs, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort à la croix. 3 jours après, il est sorti de la tombe. Quel pasteur encore voulez-vous que je vous présente? Nous avons été mandatés pour le présenter lui. Et lui seul. Frère Chora, présente-nous le Père spirituel. Quel Père spirituel? Mais nous avons un seul Père spirituel. Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia! El Shaddai, El Elyon, dont le nom aussi est Yeshua. Jesus Christ. La folie. Les Goliaths vont tomber. Goliath, écoutez bien l'enseignement ce soir. Vous allez vous écrouler. Vous allez vous écrouler. On va enlever vos armures. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh my God. Les fous. La folie de Jésus. Quand la folie de Yeshua a touché Paul, Paul est devenu fou. Et regarde, regarde, regarde. Il est tellement devenu fou. Regardez ce qu'un roi, le roi Agrippa va lui dire. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, frère. Oui. Je suis le frère Henri, j'appelle depuis Annecy, c'est pas très loin de Lyon, et c'est entre Lyon et Genève. Ok. Donc déjà, je t'appelle pour t'encourager et que tu sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Donc, je suis né effectivement au Cameroun et puis bon, j'ai baigné dans le milieu protestant, catholique, dont j'étais ballotté dans tous les sens. Et donc, ce qui se passe, c'est que bon, je n'ai pas vraiment ressenti le Seigneur, mais je croyais quand même, je croyais en Dieu. Et quand même, je ne me sentais pas là-bas dedans. Et du coup, je me suis retrouvé dans le monde où Dieu m'a tiré de la boue quand même. Il m'a tiré de la boue et ça fait à peu près un an que j'ai ressenti au fond de moi, parce que j'ai cherché Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, ici chez moi, dans ma maison, j'ai ressenti l'envie de sortir de toutes ces églises, ces dénominations là. Donc ça, la révélation, je l'ai eue chez moi. Donc c'est pour ça que j'encourage les frères et sœurs que s'ils croient vraiment que Dieu existe, Dieu peut les sortir de là, peut les répondre où qu'ils soient, dans leur maison, dans leur travail, n'importe où. C'est Amen. Pas seulement dans ces églises là. Amen. Donc, sois vraiment béni. Mon appel est vraiment à propos d'un sujet précis. J'ai besoin d'avoir un peu une exactitude. C'est parce que j'avais lu Paul et il parlait en fait de la femme. Il parlait de la femme où il disait que les femmes devaient se voiler. Et bon, moi, je suis un peu confus quand je vois, je suis, en même temps, je suis fixé et en même temps, quand je suis certain frère, je suis confus. Est-ce que la femme doit mettre le voile ou non? Paul dit que la chevelure de la femme lui a été donnée en guise de voile. Maintenant que chaque sœur se sente libre là-dessus. D'accord. Voilà, pour ne pas mettre le joug sur les gens. Donc, voilà. Mais sinon, nous voulons rester sur le message ce soir. Il y a un enseignement là-dessus déjà, si tu cherches bien sur TV de vie. Voilà, gloire à Dieu. Acte 24. Acte 24, regardez mes amis. Nous avons, verset 5, nous avons trouvé cet homme qui est une peste. Voilà Paul, le fou de Jésus, voilà comment on le qualifie. Une peste. Prenez votre dictionnaire, cherchez peste, ce que c'est comme maladie. Une maladie très très contagieuse. Donc les fous de Jésus sont contagieux. C'est pour cela que les religieux veulent les contenir. Hein? Les contenir, les mettre en quarantaine. Est-ce que ça a été mis en quarantaine? Qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde entier? Qui excite des divisions? Oh, ça divise les gens, ça casse les églises. Oh, les charlatans ont peur du message du royaume. Ça va vous atteindre, ça va vous atteindre, ça va arriver chez vous. Vous n'avez pas le choix. Troisièmement, qui est chef de la secte des Nazaréens? Paul était traité de secte. Gourou. Voyez? Parce qu'il était devenu fou. Fou de Jésus. Et regardez, frères et sœurs. Oh, j'aime la parole. J'aime la parole, frères et sœurs. J'espère que vous aimez aussi la parole de Dieu. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Et voilà, on va prendre acte 26, verset 24. Quelqu'un peut le lire rapidement? 26-24. À haute voix, s'il te plaît, c'est magnifique. Acte 26-24. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » Tu te rends compte? Paul a été traité de fou. Paul prêche, Paul prêche, Paul prêche, Paul prêche. Mes amis, et la parole nous dit, Festus, qui était un grand gouverneur, dit, n'est-ce pas, à Paul, et... Tu es fou. Ton grand savoir te fait déraisonner. Tu perds la raison, en gros. Tu es hors de sens. Pasteur, apôtre, prophète, docteur, as-tu déjà été traité de fou? Il faut que tu le sois si réellement tu es converti. Ouais. Parce que ceux qui sont touchés par la folie de la croix marchent à contre-courant, à contre-sens. Par rapport à la majorité des chrétiens d'aujourd'hui. Ils ne cherchent pas à bâtir leurs empires quelque part, à empêcher les chrétiens d'aller voir ailleurs. Ils ne sont pas en train de mélanger la parole de Dieu avec les affaires, avec les frères et sœurs dans l'église. Si un pasteur mélange les frères et sœurs, les affaires avec la parole de Dieu, ça devient l'église de Laodicée. C'est du business. Dieu n'est plus dedans.
Voilà. Si un pasteur vous dit, moi je suis l'apôtre de la région, c'est un gourou. Ça devient une forteresse pour empêcher les gens d'aller dans cette région-là. C'est grave, frère. Jésus allait de lieu en lieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il nous demande aussi d'aller de lieu en lieu. Mais s'il me dit d'aller, mes amis, à Orléans, je fais comment? Eh bien, je dois y aller. S'il me dit d'aller à Lyon, je fais comment? Je vais à Lyon. S'il me dit d'aller à Nantes, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais à Nantes. Il me dit d'aller, mes amis, je sais pas, à La Rochelle. Eh ben, je vais à La Rochelle, à Niort, partout où il va nous envoyer, nous allons maintenant partir comme ça. S'il veut, il dit la Belgique, Bruxelles, on va à Bruxelles. Hollande, Hollande. Allemagne, Allemagne. Londres, Londres, partout. Et tout se passera en direct sur le mont Carmel. Au nom de Yeshua. Oh, que Dieu soit béni. La folie de Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile du royaume. C'est ce qui sera prêché de plus en plus. Repentez-vous car le royaume des cieux arrive. On a quelqu'un en ligne? Ok. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. On s'arrête là ce soir. On vous redonne rendez-vous demain, 20h30, heure de Paris. N'est-ce pas? Donc, méditez là-dessus. La folie de Christ. Yeshua, notre évangéliste, il était traité de fou, et pourquoi pas nous? Et Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Voilà. Que Dieu vous garde, frères et sœurs. Allumez le feu partout. Priez pour tout le monde. Respectez tout le monde. Mais prêchez, prêchez cette parole réel, frères et sœurs, et ceux qui ont prêché hier cet évangile et qui sont aujourd'hui repartis dans leur vomi, c'est entre eux et le Seigneur. Mais continuons, nous qui voulons marcher avec le Seigneur, continuons sur ce chemin de la lumière, de la vérité. Que Dieu bénisse chacun de vous, qu'il vous garde. Au nom de Yeshua, merci à l'équipe technique. Et nous vous donnons rendez-vous demain, 20h30, heure de Paris. Au revoir.